retour. La porte refuse de bouger. Monsieur, vous êtes Glenn Byers? Oui. Qui êtes-vous? Charles Reed, détective privé. Celui qui porte le chapeau pour votre meurtre. Oh, par Kay, comment m'avez-vous trouvé? Je répète, je suis détective privé. Et maintenant, n'aggravez pas la situation et répondez à mes questions. Pourquoi avez-vous assassiné Johannes Vandenberg? Je n'avais pas le choix. Je suis un homme honnête, monsieur. J'ai une famille, ma douce Evelyne, et ce cher Michael sont... notre fils. Je voulais pas le faire, mais il les avait pris en otage. Je le connaissais même pas, Johan, ou je sais même pas comment il s'appelle. On se ressemble pas mal, vous ne trouvez pas? Comment c'est possible une chose pareille? Je sais pas, je suis simplement né comme ça. Je suis aussi perplexe que vous. Est-ce que vous avez de la famille à Boston? Pas que je sache. Ma famille vient de Providence, à Rhode Island. Un autre mystère qui vient s'ajouter à la liste des énigmes de cette ville. Est-ce que vous savez qui est responsable? C'était un gang. Je n'avais jamais vu aucun d'entre eux auparavant. Un type m'a donné une arme. Will, peut-être. Mais je sais pas s'il était haut placé. C'est tout ce que je sais, je le jure. Dites-moi exactement comment ça s'est passé. Ils ont pénétré dans la maison pendant que j'étais absent. Quand je suis revenu, j'ai vu la porte défoncée. Il y avait des signes de lutte. Mais ma famille... pauvre Evelyne... ils avaient disparu. Vous n'avez jamais pensé à signaler leur enlèvement? Pourquoi ne pas solliciter l'aide de la police? Je voulais appeler les flics, je le jure. Mais ils m'ont... ils m'ont envoyé... Oh, Drock, je peux pas. Il est toujours sur la table. J'ai pas le courage d'y toucher. Il va falloir que j'examine l'endroit où c'est arrivé. S'il le faut, c'est la porte à côté. Je l'ai fermée à clé pour que personne n'entre. Et pour que j'aie plus à voir ça. Disons que je vous crois, vous avez fait ce qu'on vous demandait. Où sont votre femme et votre fils à présent? Je l'ignore. Le chef du gang avait promis de les relâcher, mais ils sont toujours pas revenus. Pitié. Je sais que j'ai aucun droit de vous le demander, mais... est-ce qu'on peut passer un marché? Ça dépend du marché. Je suis coupable. J'ai tué un homme, mais c'est vous qui écopez de la peine. J'irai me dénoncer à la police, et je corrigerai tout ça. Si je leur donne l'arme du crime, ils devront me croire. Mais il faut que je sache que ma famille est en sûreté avant. Donc si je comprends bien, je dois sauver votre famille pour me tirer d'affaire, c'est ça? En un mot, oui. Quelle est votre réponse? Marché conclu. Je n'aime pas ça, mais je vais m'en charger. Oh, merci. Vous êtes plus digne que moi, monsieur Reed. Je suis désolé de vous avoir mis dans un tel pétrin. Mais je vais rectifier la situation, je le promets. L'Alliance y est encore. Quel genre de monstre peut faire une chose pareille? Il y a une lettre à l'intérieur de l'enveloppe. Il y avait des inscriptions sur ce mur aussi, mais elles ont été effacées. Du moins, en partie. Je suis donc chez une suffragette, hein. Vieux, mais propre et étincelant. On en a bien pris soin.
crêpes de soie et dentelles. Ça devait être une sacrée belle robe avant de se faire déchirer. J'ai l'impression de trouver du sang partout où je vais en ce moment. Cette porte ne va pas être facile à réparer. Certaines de ces planches ont l'air neuves. Il n'y a pas un grain de poussière. Qui diable se servirait d'une pelle comme d'une arme ? Oh, une petite seconde. Ouvrez cette porte ou je la défonce. Ne touchez pas à ma mère. Rattrape-nous quand t'auras fini. Et perds pas ton temps avec Martin en bas, on peut s'en passer. Je pense que je commence à comprendre. Ouvrez cette porte ou je la défonce. Ne touchez pas à ma mère. Rattrape-nous quand t'auras fini. Et perds pas ton temps avec Martin en bas, on peut s'en passer. Plusieurs hommes sont entrés et ont enlevé une mère et son fils. Ce dernier a lutté et un des assaillants est tombé au travers du sol. Les autres sont partis avec leurs otages. Il faut que j'accède à la pièce en dessous. Dites-moi comment faire. La cuisine ? Elle est fermée à clé. Pourquoi ? Parce que je demande. Donnez-moi la clé. Bon, d'accord. Prenez-la. Je dois partir. Un spiritueux rare. Ces vénards ont une bouteille qui date d'avant la Prohibition. Félicitations pour le mariage, serait Peg. Quelqu'un a fait une sacrée chute ici. Bien content que ce soit pas moi. Voyons ce qu'il cachait là-dedans. Le genre de truc à donner la chair de poule.